Vous avez encore de l'énergie? Alors approchez-vous et foutons le amuser, venez. On va rigoler. Allez, on va appeler un héros qui vient du fin fond de la galaxie. Vas-y. Moi, j'ai été caché. Il faut taper des mains pour l'appeler. Attends, dès que... Ouais, voilà, c'est bon. On y arrive. On tape des mains. Lorsqu'il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, qu'un jour on reste plus aucun espoir. Capitaine Flamme, tu n'es pas.
Merci. Grâce à vous, les amis, on a sauvé Megara. Mais Sam Malo n'est pas encore sauvé, lui. Comment on va faire pour sauver Sam Malo? C'est un perturbant, ça y est. On me signale que partout dans Saint-Malo se sont disséminées d'étranges petites créatures qui se sont enfuies. Tu parles de toi ? Je vous propose les mini-pousses de tous les rattraper. Un jour je serai le meilleur du fer. Je me battrai sans répit.
victoire, Famalo, ce soir. Et ça, c'est beau. Ça va, les gens, toujours là-bas, qui sont restés à quai? Venez. Ok, on a quand même beaucoup parlé de garçons jusqu'à présent. J'ai envie de parler de femmes un petit peu. Mais pas n'importe quelle femme. Des femmes un peu chatonnes, un peu féminines, n'est-ce pas? Hey!
incroyable. Tant qu'il est là et qu'il ramène sa gueule, je voudrais qu'on applaudisse Kickban qui a merveilleusement ouvert cette soirée, s'il vous plaît. Et ouais. T'es coquin, hein. Faut pas de coquin avec moi. Je suis le plus coquin de tous. En parlant de coquin, la suite n'a strictement aucun rapport. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont nés dans les années 70? Ouais! C'est pas vrai, toi. Ils sont deux. Faites du bruit, les 70-ards! Ouais! Pas si nombreux que ça, finalement. Ou alors, c'est que vous avez déjà pris vos cachets pour la nuit, peut-être, c'est peut-être pour ça. Il y en a deux ou trois qui sont en cours de groupe, bravo, les gars. Les autres, ça y est, les pattes les a appelés, faut revenir, là. C'est le couvre-feu. Bon, alors, les gars, j'espère que vous allez mettre l'ambiance. Parce que les gens des années 70, ça va calmer. C'est bon! Monsieur avec la chemise à fleurs, c'est Christophe, c'est celui qui organise ça conjointement avec David ici présent, qui est merveilleux et que j'embrasse très très fort. Faites plus de bruit que ça, s'il vous plaît. David, tu peux te cacher, je te vois, mon ami. Tu es trop beau, où que tu te caches, je te verrai. Christophe, c'est pareil, il fait de la muscu et tout, il est taqué, il tablette de chocolat, les mecs, ça m'énerve, je sais pas. C'est naturel chez eux. Ils chantent pas! Bien entendu, je remercie les deux bonhommes, mais il y a toutes les femmes qui sont là aussi. Je ne vais pas toutes les nommer parce que je ne veux pas faire de jalouse. Elles sont toutes formidables. Et j'en profite puisqu'on est dans le passage bisounours où on se fait tous des bisous et on se lèche tous la rondelle. Pour remercier tous les cosplayers qui sont là, il y a mon petit Carlos qui est toujours Carlos 3D, le meilleur Iron Man de France. Il y a l'association Lady Lune qui fait du cosplay aussi. Vous devriez vous appeler les 10 soleils d'ailleurs, les 10 000 soleils. Vous êtes bien trop solaire.
J'en oublie plein d'autres, évidemment. Il y a Irina et Natacha qui vous ont enchanté ici sur cette scène toute l'après-midi avec Just Dance. Il y a des filles qui ont fait la K-pop. Il y a Anne Jones tout à l'heure qui a chanté aussi sur scène, qui fait du cosplay, qui est merveilleux. Voilà, enfin, je vais arrêter les remerciements ici, sinon on va y passer la soirée. C'est toi le héros ? Non, il n'y a pas de héros ici. Il n'y a pas de héros. Par contre, nous sommes quelque part tous des chevaliers, t'es d'accord ? Tu vois, on ne lâche rien. Alors vous vous souvenez d'un dessin animé qui faisait justement honneur au fait que les mecs ils lâchaient rien, qu'ils avaient l'honneur, qu'ils se serraient tous les coudes, qui s'appelait les Chevaliers du Zodiac. Voilà. Et dans le club Dorothée, on avait Bernard Minet qui disait les quatre coins de l'univers. D'accord, non, tu connais pas la suite. Bon. Si t'avais vécu en France à ce moment-là, tu connaîtrais les paroles. Ça tombe pas plus mal que tu ne la connaisses pas, parce que c'est pas celle-là que je vais te faire. Parce qu'on est à Japan Pop Show, et comme son nom l'indique, il y a Pop Show au milieu de Japan, et à l'époque, on n'avait pas eu de générique japonais, on l'a eu un peu plus tard. Je te propose de le découvrir. Vous devez le découvrir. Quand tu t'arrêtes, quoi. Ok.
Chanson suivante, les amis. Il y a une chorégraphie très technique à faire. Très technique. Elle est là, Kiki, où elle est partie? Kiki, je peux pas descendre. Alors, tu vas avec David et Carlos, là. Et tous les trois, c'est vous qui allez mener la chorégraphie. Voilà. Vous la connaissez. Comme ça, je vais vous piquer votre bière pendant que vous la faites. On part loin. On traverse la mer, tout ça. On va sur votre continent, sur les bords du Mississippi. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a pas de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Il a dans ses poches des objets fabuleux qu'il emporte avec lui. Trois bouts de ficelle, avec tous ses amis. Allez les amis, venez tous ici pour partager la danse des cow-boys. Attention, on se met tous par deux face à face. On plie les bras devant et c'est parti. Hey, 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 hey. C'est formidable. J'ai jamais vu des danseurs pareils. On se serait cru dans un festival country. Reprends ta bière, tu l'as bien mérité. Merci, 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 merci. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Oh, il est gêné. Oh, gêné. Bon, les amis. Cette soirée touche à sa fin. Moi aussi, je suis dégoûté, mais bon, je suis payé à l'heure, tu comprends, donc je sais pas. On a jusqu'à 23h. Oui, ben toi, t'as jusqu'à 23h, mais moi, non. Non, vraiment, merci, c'était une belle soirée, je me suis régalé, je sais pas trop quoi vous dire, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je pense que dans 24h, je serai à la plage en vacances, et rien qu'à cette pensée, je suis vraiment content de vite finir ce concert. Merci, bonne soirée, c'était cool. Ça, ouh, il y a pas où je vais en vacances. Je vais à Oléron. Ah, d'accord. Mais c'était vraiment pas prévu. Hein. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher à nouveau parce que vous êtes éloigné avec Tom Sawyer? Le soleil se couche.
Ah, il y a longtemps qu'il s'est couché. Maintenant, je voudrais rendre un hommage. Parce que ceux qui me connaissent le savent, je fais 1m95, à peu près 125 kg, comme tous les héros. Mais il y a aussi des héros qui sont plus petits, qui sont même très petits. Et je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils sont au moins aussi importants que les autres. Alors on va taper dans les mains pour leur rendre hommage comme ça. Oui, les unicos, ils vont chez vous à vous étonnent. Dans les murs de votre maison, nous nous cachons les vous aidants. Nous sommes votre compagnon. Nous les minipous, nous sommes attentifs au cancer du père. Nous allons au secret, nous le lui rendons. Nous les minibus, nous sommes attentifs pour tout le monde. Allez maintenant on se lâche. Nous les minibus, c'est l'enquête en moudin. Oui les minibus, ils font la vie mieux que personne. Au-dessus de votre maison, Charlie est en avion, qui suivrait bien les environs. Nous les minipousses, nous sommes attentifs pour l'aventure et notre passion. À chaque jour, nouvelle action. À chaque fois, nous nous amusons. Nous les minipousses, nous sommes attentifs pour. Hey! Bon. Je vais vous arroser maintenant. Ok. Là en vrai c'est bientôt la fin. Je suis dégoûté. Mais je te rappelle que je suis payé d'ailleurs. Deux autres. Je suis payé à rien foutre. Quatre. Pour tous les amis qui nous ont rejoints en cours de route et qui se demandent là où est-ce qu'ils ont atterri dans cet endroit avec des gens bizarres. C'est forcément des gens bizarres parce qu'ils s'amusent, ils ont la banane et... Et ils sont à Saint-Malo. Et ils sont à Saint-Malo déjà. Ouais. Je m'appelle Zed Le Rouge, je suis le chanteur d'un groupe qui s'appelle Astéro H, qui fait des concerts un peu dans toute la France, où on reprend des génériques de dessins animés en version punk rock. Tu peux écouter nos albums gratos, et c'est ça qui est bon, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple, sur YouTube, sur Tinder, sur Adopt un mec, partout. Je suis partout. Et tu pourras découvrir tes génériques d'enfance comme tu ne les as jamais découverts. Ok, voilà, ça c'était pour le petit moment promotion.
Je crois que je n'oublie rien. J'ai oublié quelque chose, David, aussi. J'ai tout dit, là, c'est bon. Pirate. Ça va, les enfants? Non, c'est pas ça. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, capitaine. J'ai rien entendu. Oui, capitaine. Oh, qui vit dans un ananas dans la mer? Qui n'a pas peur des grands méchants poissons? Merci! Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré! Ok, ça c'était complètement improvisé. On savait que ça ferait plaisir. Après, pour faire plaisir aux plus jeunes, je l'ai fait cet après-midi. On peut faire un. Où allons-nous? À Saint-Malo. C'est parti, let's go! En avant, les amis! Nous allons! Dora! 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 L'exploratrice! Babouché, Dora, les copains sympas! Où allons-nous? Clap, clap, clap! Bah, à Saint-Malo! Où allons-nous? L'âne trop trop! Trop trop rigolo! Je savais que t'allais partir au quart d'heure. On peut leur faire faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire faire? Peuple bricoleur! Peut-on le faire? Est-ce qu'on le peut? Peuple bricoleur! Bon, oui, je vois qu'il y a beaucoup. Pop et sa bande! Ça nous aussi bien! Il me fait rire. Tout à l'heure, je me retourne sur les mini-pousses, il fait la danse des canards. J'ai perdu le fil. Merde, celui-là. Non, je rigole. Non, bah, j'ai l'impression que la génération 2000 est en forme ce soir. Ouais. Eh bien, génération 2000, je suis au regret de t'annoncer que, ici à Saint-Malo, il y a 100 ans, jour pour jour, s'est produit une horrible catastrophe. Un monstre a surgi des mers et il a tué des centaines d'innocents. Ouais, c'est dramatique, tout le monde est mort. Ça fait 100 ans, pile poil, ce soir, heure pour heure, jour pour jour. Heureusement, cette fois-ci, on a une bande de potes pour nous aider. Alors pêchez le chitachi. T'attends au bout de la piste.
C'était Monsieur Jones, le vieux propriétaire du parc d'attractions, qui voulait racheter le terrain pour construire un supermarché. Non, je déconne, en fait, c'est Emmanuel Macron, le monstre. Tu me crois, tu ne crois pas? Eh ben, il avait même pas de masque, ce con, c'était sa vraie gueule. Bah, écoute, j'aime bien taper sur ceux qui sont pas là. Ça, c'est mon courage de pirate, toi. Les absents ont toujours tort. Mesdames et messieurs, cette fois, pour de vrai, c'est la dernière chanson. Non. Ça fait quelque chose, quand même. Ça m'embête, c'est comme ça. Ceux qui sont là demain à 14h, je referai un petit show sur la scène là-bas à l'intérieur. J'espère vous y revoir. S'il reste quelque chose de ma vieille carcasse demain à 14h, parce que c'est pas garanti, on a. Je me suis pas encore pété la gueule, mais ça me saurait pareil. Je vais vous dire au revoir et bonne soirée avec cette dernière chanson qui est des années 2000, elle aussi, qui ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais j'adore les textes, j'adore ce qu'elle raconte, parce que ça résume bien qui vous êtes, qui nous sommes. C'est toi le héros. Et qu'on a tous envie justement d'emmerder le monstre susnommé pour faire, nous, ensemble, un monde sans danger. Là, tu peux taper les mains comme tu veux. Où chaque seconde fait de nous des combattants. Notre seul espoir est de tout reprendre. Reprends la vie, aille le combat, comprends-la.
Ça y est, c'est ça.